Depuis qu'on parle des Haïtiens qui ont évolué à l'échelle internationale, on a fait référence soit avec Wyclef Jean, et Jimmy Jean-Louis, Jason Derulo, avec quelques autres encore. Mais il y a un pilote haïtien qui a évolué à l'échelle mondiale, qui ce soit dans la musique, qui ce soit dans le cinéma, nous pas vraiment connus. Yola. Yola et capable dire acteur là, artiste là, mais à force que moun se pas comme si média haïtien vraiment parlé de yo, à force que moun sa autour, c'est pas moun qui vraiment visiter Haïti, mais sincèrement moun sa là et c'est moun qui a évolué à l'échelle internationale qui c'est d'origine haïtienne. Alors, sous ça, on va apporter quelques célébrités internationales pour nous qui c'est d'origine haïtienne. Mais qui pas trop célèbre, mais bon, trop célèbre quand même, mais nous capable de dire nous-mêmes nous pas vraiment reconnaître. Avant de commencer, laissez-moi saluer. Nous saluons et puis vous remercier le fait que vous êtes un fan inconditionnel. Ou même qui toujours a suivi ça, ou même qui toujours et abonnez-vous love là, qui que ce soit sur Instagram, qui que ce soit sur page YouTube là. Moi remercie au Facebook tout votre moi remercie franchement moi remercie le fait que ou a montré que ça a fait à ou vraiment apprécié. Ou même qui va pour ça cap garder vidéo ça encourage vous abonner like et puis pas oublier toujours activer cloche notification une façon pour vous capter toutes dernières vidéos que nous nous partager ensemble avec vous. Avant de continuer on bon coup de pause. N'a pas tourné d'aller. J'aime ça dit nous tout à l'heure, il y a un pile haïtien qui a évolué à l'échelle internationale, mais qui c'est américain d'origine haïtien, canadien d'origine haïtien, qui vraiment a un talent la caillou. Mais nous-mêmes qui vivons à Haïti, nous pas vraiment connus à force que les médias la caillou nous pas tellement parlé de nous, à force que tout, nous manquons de faire recherche sur le monde, à force que nous sommes capables de dire tout, le monde est venu dans le pays. Hein? Les avenues pays à leur visite, ils ont venu en tant que simple citoyen américain qui c'est d'origine haïtienne. Ils n'ont pas vraiment venu en tant que yon artiste pour médias, ta médiatiser comme si pour visiter un pays hein, pour être vraiment au courant avec. Défendre si on dit et analyse pour nous, nous défendons si vidéo pour nous. On fait ça comme si pour nous présenter nous artistes, pour nous présenter nous qui travaille, ils même y a fait à l'échelle internationale. En suivant avec et puis après n'abandonner. Depuis que vous êtes fan des réseaux sociaux et depuis vous toujours branché sous la vie célébrité, vous n'êtes pas capable de connaître Karen Civil, qui sont des gens qui sont très populaires sur Internet, là, notamment Twitter. Côté Ligue 1, plus passé 450 000 followers. Eh bien, belle dame, ça n'a pas gardé là, son haïtienne qui a évolué dans le pays des États-Unis. C'est une experte en stratégie de marketing digital. Karen Tapalvin populaire tout après le téléphone font collabo avec Lil Wayne. Côté Tapal créé un site web pour artiste là qui te relé wizzythankyou.com. Côté sous site ça, artiste Tapal joint accès pour parler avec fanatique Lio pendant qu'il était dans prison. Karen Civil te kon travaille tout avec plusieurs autres artistes en connu qui ménage avec un pile d'autres encore. Karen kon visite Haïti même les visites li yo pas vraiment kon médiatisé. Nathalie Paul son américaine d'origine haïtienne cap évolué dans pays les États-Unis plus précisément Brooklyn. Nathalie Paul son actrice qui participe dans plusieurs séries tant que dessin et puis fait une apparition sur Netflix dans une série qui relé You. Nathalie toujours a posté sur Instagram li ou bien sur page tout d'elle pour l'abdi jeune fier parce que lui-même li c'est une haïtienne. Dernièrement, il te font post sur Instagram li côté il t'a dit li c'est une haïtienne et puis il te tout lancé un message solidarité après cyclone Matthew, yon façon pour nous aider le collaborer pour porter aide li by pep. Trevor McCoy, c'est un américain d'origine haïtienne tout qui a évolué dans le pays les États-Unis. Monsieur fait un paquet de musique et monsieur te fait une musique avec Bruno Mars. Dans la musique ça, il t'a valu une fait un bel hit. C'est là un peu monde t'a valu une connaître monsieur musique ça qui est billionnaire. Eh bien, Kevin McCoy tout fait un paquet de collabo avec T-Pain, Jason, Suja Boy. Monsieur tout c'est un américain d'origine haïtien qui a évolué dans le pays les États-Unis qui en pile monde pas jamais connaît. Même les noms monsieur pas gagne aucun accent créole, mais monsieur sont américain d'origine haïtien à cause papal c'est un haïtien Tommy Griffin qui
même tout t'es un ancien basketteur. Dans l'année 2009, Blake Griffin t'es fait une belle carrière dans Los Angeles Clippers. Après, il a balvin font passer dans Piston et c'est là où t'as balvin connaît Monsieur. Alors Monsieur tout qui c'est un bel basketteur, Monsieur c'est un Américain d'origine haïtienne qui en pile monde pas de jambe connaît. Vicky Jeudi c'est une star internationale américaine tout qui origine haïtienne qui participe dans un paquet de séries Netflix. Vicky c'est une actrice d'origine haïtienne qui étudie théâtre. En 2014, Kita Balvin débuté dans le monde cinéma dans une série qui est l'Unité spéciale des victimes, qui est une série qui est basée sur crime et agression sexuelle. Vicky c'est une star internationale d'origine haïtienne qui est en pile monde pas jamais connu. Ok, nous t'as suivre ensemble avec moi et. Bon, pas forcément des biographies, mais maman peut aussi quelques activités et moun sa yo même yo fait que nous même nous pas vraiment konn yo, nous pas vraiment et faire connaissance avec yo. Bon, moun yo là et y a travail parce que faut moi dit nous et yon paquet haïtien qui cherche talent haïtien et partout ailleurs, bon, haïtien États-Unis, haïtien Canada, la France, tout côté bien haïtien comme si qui cherche talent. Est-ce que nous connaît et à l'échelle mondiale, il y a un paquet haïtien qui travaille et même dans bureau présidentiel et pays les États-Unis tout gagne haïtien en dedans. Alors Haïti pas seulement bay et moun ka fait kidnapping, Haïti pas seulement bay moun et kap simay la tout dans pays ya, mais Haïti tout son pays qui bay yon paquet talent. D'ailleurs, m'a toujours dit dans vidéo yo, Haïti c'est un pays franchement qui chargé moun la dans qui gagne yon paquet potentialité. Haïti c'est un pays franchement si peuple haïtien nous même te jouer dans cadrement yo, m'pa pa menti, haïtien vraiment loin, tellement nous-mêmes nous sommes peuple et dans tout domaine là haïtien, comme si nous trouvons nous haïtien qui ont une capacité là-dedans. Franchement, nous trouvons nous haïtien qui ont une capacité là-dedans et en pile pays nous trouvons souvent en pile pays, comme si chaque pays donc au Brésil qui sont pays de parler de football et où tu fais référence avec Brésil, même avec États-Unis de parler de basketball ou tout faire référence avec États-Unis. En plus l'autre pays encore, il y a un paquet de sport, de vous parler des sports ça yo pour tout faire référence avec pays ça. Mais Haïti et you know bah nous gen la caill nous. Bien que comme si nous pas bon sport, nous pi habile là-dedans, mais dans chaque bagage ça yo, m'a pas menti, il y a un haïtien qui a une potentialité là-dedans comme si capable garder jouer basket là, mais comme si c'est un américain d'origine haïtien. Et il y a un pilote encore, il y a un pilote encore pour jouer nous on gagne cap jouer dans sélection haïtienne là. C'est nèg si comme si média nous tout qu'on a vendre nèg ça yo, si Haïti tout qu'on a vendre nèg ça yo, on est temps pour Donald Guerrier, on est temps pour Nason pour nous, mais nèg ça yo c'est nèg si nous tout qu'on a vendre yo. Nèg ça yo t'a plus loin et nèg ça yo tout t'a flotter drapeau haïtien là pi wo. Ou même qui te kon star sa yo déjà papi laissez nous un commentaire pour dire qui ça yo même nous fait comme activité pour pas noter. Ou même qui pas connait autour pas négocier qui te un commentaire pour dire qui est star et capable pour à l'échelle mondiale et qui en pile haïtien pas connait pas négocier pas négocier tout. Partager avis ensemble avec moi dans commentaire vidéo ça. Pas oublier et BK Haïti même nous bon rubrique nous fait sur BK chaque mardi qui c'est un petit cause avec fanatique rubrique ça monné en pile monde même en pile monde toujours besoin passer dans rubrique là. Alors et nous dit nous seule façon nous capable entrer dans rubrique là c'est quitter un message dans commentaire vidéo ça ou regarder ou bien pas oublier venir joindre moi sur WhatsApp BK Haïti 47 81 18 84. Alors, pas oublier, c'est tous nos amis pour Paul Lucas. À chaque fois, il y a une balle qui termine une vidéo, c'est toujours dans la peine. Parce que vous aimez, il m'a parlé avec Paul Lucas. Et il faut m'aller, mais c'est dommage, il faut m'aller. Et toujours être connecté avec Chanel là. Contact moi-même, dans vraiment pour n'importe quoi.